Nous sommes au souk de Agadir et avant toute chose, je vous propose de goûter au jus de bâton. J'aime bien le délire du jus de bâton, parce que tu vois, le bâton, c'est solide, quoi. Et le jus, c'est liquide. Celle-là, elle peut être pas mal pour moi, je pense. Alors, je vais vous faire visiter la maison dans laquelle j'habite depuis 3 ans. Bienvenue. Ici c'est la piscine, là il y a la vue sur le ciel. Alors le ciel il se mélange avec la mer et ça dépend des jours mais parfois on voit clairement la mer. Ici donc c'est la pièce de vie principale et j'ai mis un studio ici parce que j'aimais bien l'idée d'avoir le studio pas loin de la piscine et tout. Il y a aussi le setup vinyle. Voilà, c'est un peu la chambre d'amis en ce moment. Et en même temps, c'est l'atelier de Clémence. Voilà, ça fait de la peinture. On a un tableau pour faire des listes, mais on les fait jamais. Ici, c'est la zone de bien-être et d'amour, mais c'est privé. Je suis venu au Maroc parce que j'ai ma grand-mère qui habite au Maroc. Et j'avais envie de me rapprocher d'elle. Quand je suis arrivé, d'abord, j'ai pas du tout bossé. J'arrivais. Je m'installais. Je fais de la méditation. Mais en fait, j'ai jamais vraiment le sentiment de bosser. À part là, pour finir l'album. Mais sinon, j'ai jamais eu le sentiment de bosser. On va aller en bas, vite fait. Donc là, c'est la fosse aux scorpions. C'est censé être un garage. Moi, comme j'ai pas de bagnole, bah, je l'ai transformé en studio. Mais on a trouvé des scorpions. Et du coup, depuis qu'on a trouvé des scorpions, on a un peu plus de mal à y vivre. Donc là, c'est un peu déserté. Scorpion gros, vraiment gros ou des petits? Ouais, les deux. Hein. On a trouvé tout type de scorpions. Faut pas venir pieds nus ici. C'est là où on a vraiment commencé à produire l'album. Comment dire, à passer de maquette à produit fini. Ici, c'est le studio de Zaf. Donc voilà, il a un petit setup. Je lui ai prêté des enceintes, des trucs. Et il peut pioter ici. Il a les clés, quoi. C'est chez Zaf. Vas-y, mets un peu du son, là. Yes. J'arrive avec ma mère, avec les tagines, tu vois. Et j'entends un peu la musique, le bruit de le kick et tout. Je dis, waouh, il y a quelque chose qui tourne là. Et ça commence comme ça, des mois, 2 mois, une année après. On était voisins, pas loin. Ça commence comme ça. Sa maison, elle est pas aussi confortable que la mienne. Et le gars est trop cool, c'est trop en amour, il est trop fiable et, comment dire, respectueux. Et je kiffe les gars comme ça. Et donc, la porte est ouverte, tu vois. Il m'a appris beaucoup de choses, hein. C'est grâce à lui. Même le matos, moi-même un peu... C'est comme... Il est un professeur, il m'a étudié gratuit. Quand j'ai vu que ça partait vraiment en pandémie mondiale, je me suis dit non mais c'est pas possible, genre là, c'est maintenant que jamais de faire un album. Et j'avoue, j'avais un peu une partie de moi qui me disait c'est ouf quand même la vie, genre. La vie a carrément a inventé une pandémie mondiale quoi pour que je puisse faire mon album. C'est tu vois le niveau d'égocentrisme du man quoi. Mais tu vois, c'est mon prisme subjectif, je l'ai interprété comme ça. Et je me suis dit bon bah c'est maintenant que jamais. Puis là ça continue, tu vois, j'ai toujours pas terminé mon album et tout, du coup il y a des variants, tu vois. Donc vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Maintenant je vous propose qu'on aille écouter les mix. J'ai reçu les V1 de mon album par Sylvain et il faut que je les découvre en direct. Et on va voir ce que ça donne. Tellement loin. Au lieu d'être qui tu es, tu y penses et ça se voit. Ok. Bah, c'est pas mal ça. J'aurais pu être qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. Je discute avec qui que ce soit. Mon point de vue est gratos. Je le donne à qui que ce soit. Union devant le matos. Ça balance du qui que ce soit. Celle-là, elle est...
Parce que là, on parle de mix, mais en fait, on parle pas que de réglage, les aigus, les médiums, c'est aussi tout le parti pris, de dans quel contexte ça va être écouté, et de comment ça va ressortir, qu'est-ce qu'on met en avant et tout. Je l'imagine bien dans un délire un peu YouTube, genre où tu la regardes sur un laptop, et puis en fait, dans le clip, il se passe mille trucs, et du coup, tu en prends plein la gueule, et c'est ça le concept. En fait, à un moment donné, je me suis mis dans un mode où je faisais de la corde à sauter, et j'écoutais de la house de merde, et... avec EDM house pourri, tu vois. Et après, je me suis dit, non, mais c'est trop bien ce style. J'avoue que j'ai bien adhéré au concept. Et je me suis fait une petite playlist avec tous mes préférés, que j'ai appelé donc le top merde. C'est le top merde. Je voulais appuyer un morceau dans l'album où ça monte et ça passe, tu vois. Et aussi un morceau un peu de live, tu vois. Ouais, grave. Donc je me suis mis dans cette optique et bon, j'ai pas fait un truc EDM de merde, mais c'est quand même un peu l'envie, quoi. Voilà, là c'est mon stud, comme vous pouvez le voir sur cette pancarte. En ce moment, c'est en configuration enregistrement de voix pour l'album. Donc là, on va enregistrer le premier couplet de l'album. Il faut que je me chauffe la voix. Oh, ah. Ok. Mon absence est un mirage. Je suis là, ah, ça serait bien que ça vibrote un peu. Et hop, je dessine au crayon. Si je veux faire Post Malone, tu vois, je fais comme ça. C'est un miracle. Tu vois. Je suis très impressionné par les chanteurs et les gens qui savent chanter. Et c'est un vrai challenge pour moi que de réussir à chanter. C'est ça qui m'amuse après dans la vie, c'est de faire des trucs qui sont galères. Je suis heureux quand je me plante, ça fait des nouveaux mois qui poussent. Nous sommes au souk de Agadir et avant toute chose, je vous propose de goûter au jus de bâton. J'aime bien le délire du jus de bâton. Parce que tu vois, le bâton, c'est solide, quoi. Et le jus, c'est liquide. J'avais un groupe au lycée, ça s'appelait Liquide Bâton. À chaque fois que je bois un jus de bâton, ça me fait penser au groupe du lycée. Je viens au souk El Had depuis que j'ai 6 ans, je crois. J'ai acheté des habits, tous les habits de quand j'étais petit. À l'époque, il y avait du Von Dutch. C'était que des contrefaçons un peu ratées, mais c'était cool, tu vois. J'étais content parce que mes darons, ils n'avaient pas les moyens de m'acheter des marques. Et là, je pouvais enfin avoir des marques. Ah voilà, le stand à casquettes. En fait, je mets souvent des casquettes pour pas qu'on me voit ma coiffure. Parfois, j'ai honte de ma coiffure encore. Tu vois, une casquette Christophe, quoi. Christophe. Celle-là, elle est pas mal. Oh là là, elle tue celle-là. Air liquide. C'est un peu liquide bâton, ça. Celle-là, elle peut être pas mal pour moi, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, tu me fais un petit prix ou quoi? Allez, vas-y, je te fais 20 dirhams de toute façon. Ah, il n'y a pas besoin du plastique, ça va. Ouais, j'aime pas trop le plastique. Ciao. À tout. Yes. Pour les gens d'ici, je suis un Européen riche, avec une coupe chelou. Salam. On peut se mettre là? Ouais, ouais. Ouais, genre petite sauce tomate. Ouais, ça se fait. C'est américain, là-bas. Yes. Et ben, à la prochaine, peut-être. Je venais quasiment tous les ans passer des vacances à Agadir. Quand ma grand-mère a emménagé au Maroc. Et ça se voit. Donc là, on va chez ma grand-mère. Elle est de l'autre côté de cette porte à attendre pour faire semblant d'ouvrir. On est là. Hello. Coucou, grand-mère. Je suis contente de te revoir. Ah oui, ça fait longtemps. Trop. Voilà. T'es jamais venu me voir en concert? Non. Mais cette année... J'attends que tu nous fasses un concert spécial. Spécial pour grand-mère. Ouais. Le 2022, ouais. Ça sera possible. Tu pourras monter sur scène. Tu pourras venir derrière comme ça. Oui, ouais. Ça. C'est derrière le bout, c'est tout. Ce serait cool. Ça serait ouais. À t'admirer. Je suis venu toutes les semaines, toutes les deux semaines. Je suis moins seule, hein, surtout maintenant. Mais toi, tu viens pas beaucoup chez moi. Un petit peu.
Mais c'est loin, quoi. Mais là, elle est adorable. Tout partout. Le seul endroit où je fais de la musique, c'est ici. C'est au skatepark de Terrazout. Et j'ai fait des DJ sets vinyle. J'ai rencontré Ali, le boss de l'association de skatepark. Il assure de ouf. La caméra cachée est nulle. Maintenant, il m'a dit qu'il va quitter le Maroc. Mais ouais. Triste un peu. Ça on va faire une dernière soirée. Oui, on va faire une soirée. Ouais. Dans le skatepark, si tu veux. Ouais. J'avoue. Yes, yes. Zbret, zbret. Yes. Le fait d'être loin de l'univers que je connais, des gens que je connais, ça m'a permis de me concentrer sur la musique. Mais là, j'avoue que si je sors mon album et qu'il marche pas du tout et tout, et ben, je me dirais, bon, bah, je me suis tapé un bon délire de 3 ans tout seul. Tu vois. J'ai bien fantasmé, quoi. Dominique.